Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, j'espère que nous en forme grâce à Dieu. Merci. Et je dis à moi content le fait que nous allons partager un sujet qui est important. Nous allons partager aujourd'hui un sujet ça qui relève examen prénuptial. Nous allons voir qui type d'examen qui recommandé avant que yon moun entre dans le lieu du mariage et nous allons voir tout qui importance que examen ça yo gagné. Nous connaît que but principal mariage c'est créer un foyer ou bien fonder une famille. Et pour fonder une famille, supposez qu'il y ait un papa, maman, en après, petite. Dans toute société, surtout dans le pays qui est développé, nous toujours ouais que les recommander d'une manière volontaire ou bien obligatoire pour deux personnes avant qu'ils entrent dans le mariage pour réaliser un pile examen. Pour qui ça? Parce que c'est papa et papa après nous fin marié, nous pral ouais que nous pral rendre compte que mon a une maladie qui empêche que le fait ti moun ou bien si ti moun yo fait qui pral souffrir maladie ça par la suite ou bien tout moun nan tout kon gen maladie mentale qui empêche que mariage la fonctionner normalement. Qui objectif examen ça yo gagner? Premièrement, c'est peut-être qu'on connaît groupe sanguin chaque monde ça yo pour yo si yo compatible. Parce que si maman gagne facteur RH li qui négatif, papa gagne positif et c'est premier petit monde seulement qui a chance qui bien sorti. Après ça faut que moun ça et maman prend des traitements pour éviter par la suite des dégâts dans l'autre petit monde qui a venir. C'est pour ça li vraiment important avant que on moun aller la mien du mariage ou bien avant que moun al fait ti moun supposé connait groupe sanguin pâle et groupe sanguin papa. Deuxièmement, c'est pour détecter si moun sa pas gagné quelque maladie génétique héréditaire. L'aime génétique héréditaire là, c'est que et par exemple et si moun n'a pas gagné dans famille déjà ou bien lui-même s'il souffre de syndrome de Down ou bien s'il souffre d'une anémie quelconque, nous capable jeune thalassémie ou bien anémie falciforme et maladie cardiaque, etc. Nous parlons toujours si nous n'avons pas gagné une maladie transmissible. Et le plus souvent, nous allons toujours chercher si nous n'avons pas gagné souffrir et VIH ou bien SIDA, et ou bien si nous n'avons pas gagné syphilis, si pas gagné hépatite B, etc. Nous parlons toujours si nous n'avons pas gagné une maladie dégénérative. L'aime parler de maladie dégénérative, ça veut dire que c'est le lieu où tout le temps a dégradé. Ça veut dire que les gens commencent à entrer dans l'âge, ils commencent à présenter quelques maladies comme Alzheimer et maladie de Parkinson, Huntington, etc. Après ça, les gens disent que c'était pour des cas où si nous ça gagné maladie mentale. Parce que le plus souvent, les gens ne savent bien ou bien sous médicament. Mais l'heure que entre dans le mariage, nous connaissons que parfois le mariage peut porter un pile problème. Les gens commencent à présenter des caractéristiques qu'ils ne peuvent même attendre avec lui. C'est pour ça les conseiller et le bon pour que les gens passent, subir un examen physique et un examen mental. Et dans le reste de la vidéo que nous avons porté dans le jour de la nous allons détailler chaque point ça yo pour ne ka wè qui importance li gagné en soi en gros que moun sa yo nous supposé réaliser tout examen sa yo avant ou bien li recommandé pour réaliser yo avant que nous entrer dans le lien du mariage. Examen génétique yo pas fait yo souvent parce que yo vraiment coûteux mais si moun a te gen l'argent li conseiller pour moun yo appliquer ou bien réaliser examen sa yo. Merci le fait que tu as écouté nous avec un pile attention. Pas oublier commenter, partager le pour l'autre amis capables et pas oublier surtout like page là pour l'autre partie que nous gagnons pour nous commenter sur même sujet ça dans semaine qui vient. Bye, portez-nous bien, à la prochaine.